bienvenue sur Bargécraft. Et aujourd'hui, on se retrouve sur un petit jeu. On fait un petit peu de jeu dessus pour s'amuser, juste pour le fun, sur The Last of Us, version remasterisée PS4. C'est un jeu qui m'avait beaucoup plu sur la PS3 à l'époque. Du coup, j'ai tenu à le refaire en version remasterisée avec vous pour vous partager vraiment cette ambiance vidéoludique qui est ce jeu qui est juste magnifique, qui est d'une ambiance de ouf et qui pour moi a été quasiment l'un des meilleurs jeux PS3 de l'époque. Uniquement recommandé au joueur ayant terminé l'histoire principale, ouais, nous on fait juste The Last of Us. Nouvelle partie. On va mettre en normal parce qu'on n'est pas non plus des boss, pas non plus des boss. C'est rigolo par contre qu'ils aient maintenu le système de sauvegarde à l'époque, à l'ancienne. Celui de capture de capture, de sauvegarde là, un peu spécial de la PS3. Je pensais qu'ils auraient adapté un peu en mode PS4, mais pas du tout. Bon, c'est pas très grave. Ouais, je me tais. Faut encore un peu profiter de ma voix. Le temps que ça charge. Gros défaut du jeu, j'ai l'impression. Le temps de chargement de l'infini. Super. Bah écoutez, voilà. The Last of Us. Tommy, écoute-moi. C'est l'entrepreneur. C'est l'entrepreneur, ok? Je peux pas perdre ce boulot. Oui, je comprends. Écoute, on parle de ça demain, ok? On en reparle demain matin. Ok, bonne nuit. Hey! Fais une place. T'as eu une dure journée? Qu'est-ce que tu fais debout? Il est tard. Oh mince, quelle heure il est? Il est largement l'heure d'aller te coucher. Mais c'est encore aujourd'hui. Oh chérie, non, pas maintenant, je suis trop fatigué pour ça. Tiens. C'est quoi ça? Ton anniv. T'arrêtais pas de te plaindre que ta montre était cassée. Alors, je me suis dit... Elle te plaît? Chérie, c'est gentil, mais... Je crois qu'elle s'est arrêtée. Ah, non. Avec quel argent t'as acheté ça? La drogue. Je vends des drogues dures. Ah, cool. Tu vas pouvoir m'aider à rembourser l'emprunt. Ouais, dans tes rêves. Je dois parler à ton père, il y a des... Tommy ? Allô ? Qu'est-ce qui se passe ? Début de jeu, je me rappelais plus qu'on était... qu'on jouait ce personnage. Spécialement. Alors vous allez me voir souvent regarder un peu partout. Bon, ok. Ils n'ont pas traduit en français par hasard?
Parce que je sais pas trop lire l'anglais, quoi. Non, ils ont pas traduit. Ils s'en foutent. Ils s'en fichent. Peut-être un paramètre à faire. Option. Hop. Affichage. Non. Jeu. Sous-titres. Faut peut-être mettre oui. Voilà, c'est peut-être ça. Reprendre. Et là, si on essaye. Voilà. Cher papa, voyons, tu n'es jamais là, tu détestes la musique que j'écoute, tu méprises carrément les films que je regarde, et pourtant, bizarrement, tu arrives chaque année à être le meilleur des pères. Comment tu fais? Bon anniversaire, papounet. Bisous, Sarah. Donc Sarah, la fille du papa, là, qu'on vient de voir, le personnage principal du jeu. Sûrement pour nous introduire à sa petite vie, voir comment est-ce qu'il vivait. Tout ça, tout ça. Ah, le téléphone, on va peut-être essayer encore un coup. Ah zut. Cassé. Et cassé le téléphone. Et cassé. Tant pis. On va le réveiller. On va lui foutre des coups de tatane, tu vois. Mais tu vas te réveiller. Où c'est que t'es? On va faire un tour aux toilettes. Explosion des admissions dans les hôpitaux de région. 300% d'augmentation suite à une mystérieuse infection. La liste des récoltes contaminées s'allonge. Rappel massif attendu. Police. Une femme hystérique tue son mari et trois autres victimes. Ok. Le coronavirus est dangereux quand même par ici, dans cette région. Ouais. On va faire attention. On va ouvrir grand les yeux. Oh, il y a de la lumière ici. Peut-être aller voir. Un peu en décalé quand même, hein. La télé est dans le futur. J'ai l'impression que la télé est dans le futur. Bon, les effets des reflets sont bien faits. Là, ici, non, on peut rien faire. Là non plus. Ok, bon, on se casse. Hein. Alors, à voir qu'est-ce qui se passe en bas. Oh, et des petites veilleuses au cas où on était peur dans la nuit. J'aurais dû mettre mode difficile, il n'y aurait peut-être pas eu de veilleuse. On sait pas. Ah! Tommy, j'arrive. Mais où est-ce que t'es? Ok. Ok. Ok, bah écoute Tommy, fine. Prends le téléphone dans ta poche, s'il te plaît. Qu'est-ce qu'il y a? Je vais rentrer tard ce soir, ne m'attends pas. Commande à manger, on se voit demain matin, papa. Mais non, mais il n'est pas. C'était le message qu'il a mis avant qu'on aille se coucher, là, qu'on lui donne ce cadeau d'anniversaire, je pense. Oh. Il y a un chien qui s'est fait tuer? Oh, il est là. Ah, rassuré. Non. Ok. Ok. Les coupeurs. Qu'est-ce qui se passe? Oh, ah oui, d'accord.
Qu'est-ce qu'il fait? Jimmy, Jimmy, plus jamais je te prêterai ma tondeuse. Tiens. Ok, on se casse. Ah ouais, Tommy, il est là. Ouais. Donc L2, en gros, c'est pour focus. Bon, ça va. Intéressant. C'est peut-être pas des infos à donner à une petite fille de 10 ans. Ouais. C'est plus que c'était Koh-Lanta, quoi. Un peu comme le film avec la météorite là, qui passe au cinéma en ce moment. Oh. On va peut-être rester dans la voiture, hein. Là, messieurs et madame sont devenus des steaks hachés pour ces deux messieurs. Intéressant. Voilà, on va aller par là. Qui veut devenir un steak haché? Il y a des gens qui arrivent derrière, je vous le dis. C'est un peu chaud. Monsieur, vous allez devenir un steak haché aussi, hein, je vous le dis. Vas-y, allez. Écrase-le, lui, hein. Pour se mettre sur la route, lui pareil. Ouf. Ce qui m'a fait rire, hein, je précise, c'est quand le zombie il est arrivé, ça fait... Kapamoula!
Il va tuer. Bon, c'est pas mal fait, hein. C'est pas mal remasteré. Il y a juste des petits endroits avec les textures un peu moches. Genre le pare-brise de la voiture était bien moche. Mais sinon, c'est ok, hein. Allez, viens. Viens, Tommy, qu'est-ce que tu fous? Tu veux attendre ici que ça se passe? Bon, bah, moi je me casse. Hein. En fait, c'est fait exprès, d'accord. Je suis en train de me dire, bah, qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi il reste en arrière, lui? Ok, on va passer par là, on va passer par là. Écoute, ce bras, il me gêne. Hein. Appuie bien fort. Oui, mais t'inquiète. Ah bah, monsieur. Il va se faire manger par le zombie là qui nous suit. Tout à l'heure. Ça va, chérie, c'est fini. C'est fini. Hé hey, on a besoin d'aide. Stop, s'il vous plaît. C'est ma fille. Oh, sa jambe est cassée. N'avancez pas. Ok. Nous ne sommes pas. Nous ne sommes pas malades. Les deux civils dans le périmètre extérieur. Quels sont vos ordres? Papa, où est oncle Tommy? On va te mettre à l'abri et on reviendra te chercher. Ok. Chef, il y a une petite fille. Mais... Oui, chef. Écoutez, on vient de vivre un cauchemar, ok? On veut juste... Oh, merde. Chérie, fais pas ça, chérie, fais pas ça. Allez, non, 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 pitié, 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 pitié pour ça, pitié. Voilà. Vous comprenez pourquoi j'avais surkiffé ce jeu à l'époque. Vraiment. Nous avons plein d'ambiance. Franchi la barre des 200 morts. Le gouverneur a déclaré l'état d'urgence. Il y avait des centaines et des centaines de cadavres dans les rues. Le monde entier a cédé à la panique lorsque l'Organisation mondiale de la santé a indiqué que les derniers tests de vaccination avaient échoué. Le pouvoir n'étant plus aux mains des bureaucrates, nous allons prendre les mesures nécessaires pour protéger nos citoyens. Los Angeles est désormais la dernière ville à être placée sous loi martiale. Tous les habitants sont priés de se présenter dans leur zone de quarantaine. Les rations hivernales n'ont jamais été aussi maigres. Et les émeutes durent depuis maintenant 3 jours.
Un groupe se faisant appeler les Lucioles a revendiqué être à l'origine des deux attaques. La foule réclame le retour au pouvoir de toutes les branches du gouvernement. Des manifestations ont éclaté après l'exécution de 6 membres présumés des Lucioles. Montrez votre révolte à nos côtés. Quand vous êtes perdu dans l'obscurité, cherchez la lumière. Faites confiance aux Lucioles. Oui, j'arrive. T'as bien dormi ? T'en veux un ? Non, non. J'en veux pas. J'ai des nouvelles intéressantes pour toi. T'étais où, Tess ? Dans le quartier ouest. On avait une livraison à faire. Oui. On avait une livraison à faire. Ouais. Tu voulais rester seul, tu te souviens? Alors attends, laisse-moi deviner. L'échange a mal tourné et le client s'est barré avec notre câble. Est-ce que je me trompe? L'échange s'est très bien passé. On a assez de cartes de rationnement pour 2 mois. Facile. Tu veux bien m'expliquer? J'étais sur le chemin du retour et je me suis fait attaquer par ces 2 connards, ok? Ouais, je me suis pris quelques coups, mais... Écoute, je suis en vie. Donne-moi ça. Et alors, ces connards, ils sont toujours en vie? T'es marrant. Tu sais qui c'était, au moins. Bon, écoute, c'était personne, ces types, on s'en fout. Et ce qui compte, c'est que c'est Robert qui les a envoyés. Notre Robert? Ouais, il sait qu'on le cherche. Il s'imagine qu'il va nous avoir retrouvés. Fils de pute, il est malin. Non. Il est pas assez malin. Je sais où il se cache. Ça m'aurait étonné. Le vieil entrepôt de la zone 5. Mais j'ignore pour combien de temps. Mais eh ben, je suis prêt maintenant, ok? Oh, ça va. Poste 5 est ouvert. On a que quelques heures avant. Bonne semaine. Allez. J'ai reçu les petits papiers ce matin. J'ai été choisi pour travailler hors de la zone. Peuvent pas faire talent, quoi, c'est franchement. Je te jure. Les gars, trop cruel, quoi. C'est dans le jeu, hein, je précise. Mais non. Ok. Faut une injection létale, quoi. On dirait qu'il y a toujours de nouveaux infectés. Ça veut dire qu'il y en a encore qui sortent de la zone. C'est
C'est radical ici pour le coronavirus quand même. Un peu difficile quand même. Ok. Je reste cool. Yo Billy, ça va? Tranquille. Bien, t'as vu? Soignez vos blessures avec un kit médical. Utilisez son équipe médicale pour du temps. Assurez-vous d'être en lieu sûr. Équipez-vous l'équipe médicale avec et maintenez R2 pour l'utiliser. Voudrait trouver Robert. Elle m'a rien dit. Bon, mais qu'est-ce que tu lui as dit? La vérité, je sais pas où il se planque. Bien joué. Évite de t'attirer des ennuis, d'accord? L'armée va bientôt débarquer en force. Ouais, à plus tard. Bon, allez, bonjour. Marlène qui cherche Robert? Qu'est-ce que t'en penses? J'aime pas ça. On ferait bien de le retrouver avant les Lucioles. Ouais. Tranquille. C'est nous. Comment ça te bordel dehors? Comment ça se passe ici? Ah, c'est calme. Aucun signe de soldat ou d'infecté. Ça fait plaisir à entendre. Ah, c'est leur passage secret. Tu peux m'aider à pousser ça? Oui. Éventuellement. Oh, c'est un peu grillé quand même qu'il y avait quelque chose. Donc, faites attention à vous là-bas. Oui, tranquille. On est des professionnels, gros. Il devrait vraiment faire gaffe à ce qu'il jette ici. Petit générateur. Hop, franchissement d'obstacles. Aucun problème. Nos sacs sont là depuis la dernière fois. Un petit gun. Pas beaucoup de munitions. Petit masque et la petite lampe. Alors, appuyez sur R2 pour viser, sans viser pour recharger. Ok, c'est pas vraiment intuitif. Ok, bon bah écoutez, on a récupéré le matos. Je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. On va reprendre la suite de toute façon dans la foulée. Et moi, du coup, je vous dis à la prochaine pour la suite de cette petite découverte, on va dire, pseudo-découverte, étant donné qu'on l'a déjà fait, mais de cette version remasterisée de The Last of Us.
Si vous avez aimé, n'hésitez pas à lâcher un petit like, un petit abonnement ou un commentaire. Et je vous dis à la prochaine. Salut !